DigiZen est une identification numérique pour les personnes qui ne disposent d'aucun document d'identité. Cette vidéo montre comment les différentes étapes sont effectuées avec le système d'identité DigiZen. Enregistrer les personnes, vérifier les détails d'identité et comment la carte DigiZen est émise et peut être utilisée immédiatement. L'inscription commence lorsque l'agent DigiZen entre dans un village rural où il utilise un appareil mobile pour enregistrer une personne. Lors de l'inscription, l'agent demande le nom, la date de naissance et l'adresse. Ensuite, il prend une photo et scanne toutes les empreintes digitales. Les empreintes digitales sont utilisées pour garantir que tout le monde n'entre dans le système qu'une seule fois. Une fois les informations personnelles collectées, tous les détails doivent être vérifiés. Une personne de confiance, telle que le chef du village, peut se porter garant de l'identité des villageois. Le chef examine les données personnelles et les signe en utilisant sa propre carte DigiZen et son code PIN pour créer une signature numérique. Cette signature numérique confirme l'identité et crée une piste d'audit pour chaque personne. La dernière étape de l'inscription consiste à émettre une carte DigiZen. Cela se fait en écrivant toutes les informations sur la carte avec l'appareil mobile de l'agent. La carte émise est désormais prête et peut être utilisée immédiatement, par exemple, pour ouvrir un compte bancaire. Dans de nombreuses zones rurales, la connectivité réseau est absente et l'agent peut donc effectuer l'ensemble de l'enregistrement, de la vérification de l'identité et de l'émission de la carte DigiZen complètement hors ligne, sans connexion Internet. Pour en savoir plus, visitez DigiZen ID.